Good day, Hervé. What you're looking at here is a kind of an overview, just to give you an idea of what's being cooked up. This is the big room, and now we're floating over the little room. That there, right there, is for the little robots that you say they're very, very curious, based on the equation for curiosity. And so people can come in here and be very quiet and see the little robots and visit with them. Not too many people could come in at once. You don't want to scare the little robots. And after you spend some time with them, you could come out. Have a glass of Vin Rouge for me. Take care of yourselves. Talk to you soon. Est-ce qu'une machine, est-ce qu'un robot peut apprendre comme un enfant? On essaye de s'inspirer du vivant, on essaye d'en extraire un certain nombre de principes qu'on modélise mathématiquement, qu'on formalise, qu'on transforme en algorithme et qu'on implémente dans des robots et ensuite qu'on expérimente. Les ergo-robots sont dotés de mécanismes qui modélisent certains aspects de l'apprentissage et de la curiosité. Ils apprennent en faisant des expériences. Ils essaient des actions, ils observent les effets et ils tentent de détecter les régularités entre ces actions et ces effets. Cela leur permet de faire des prédictions. Les ergo-robots sont programmés pour choisir leurs expériences de manière à volontairement rechercher des situations dans lesquelles ils font des erreurs en prédiction. Ils cherchent la surprise. C'est pourquoi on peut parler de curiosité artificielle. Au début, ils n'ont pas du tout de vocabulaire partagé. On a d'abord un robot qui montre un objet et dit comment lui, il l'appelle. L'autre fait la même chose et chacun va mettre à jour son propre vocabulaire. Progressivement, une nouvelle langue va se former, partagée par tous les membres du groupe. Ce langage, l'ingénieur ne peut pas le prédire à l'avance. Si on fait tourner une autre expérience, un autre groupe de robots, constitué des mêmes programmes et du même corps, alors le nouveau groupe de robots va inventer un nouveau langage. De la même manière qu'ils explorent les objets physiques en cherchant la surprise, ils explorent comment leurs vocalisations peuvent provoquer des réactions chez les visiteurs. Le visiteur, en tendant la main, peut déclencher en réponse lui aussi des sons. Le robot compare alors sa prédiction avec la réponse du visiteur. Au bout de quelques temps, une structure élémentaire de communication, des jeux d'imitation, peuvent apparaître entre les robots et les visiteurs.
bien que ces sociétés partent toujours exactement du même état, elles n'arrivent jamais dans le même état. Il y a des structures régulières qui reviennent, mais jamais deux sociétés de robots ne finissent avec la même langue, ne finissent avec les mêmes savoir-faire et ne finissent exactement avec la même manière d'interagir avec les visiteurs. L'expérience des ergo-robots est une exploration de la complexité des mécanismes de la curiosité, de l'imitation et de la formation du langage. Construire des robots qui apprennent comme des enfants peut ainsi permettre de formuler d'une manière nouvelle cette question fondamentale. Qu'est-ce que l'homme ? Response from the double exponential space of imaginary.